Un beau bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 24. Haouya. C'est le plus bas des anges gardiens du cœur des trônes, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de notre réalité matérielle. Il est le régent des énergies Saturne, Lune. Dans les énergies lunaires Binael Saturne, se montre sous son aspect maternel pour faire naître et protéger la vie inférieure. Il protège les exilés et les immigrés. Il protège contre les voleurs, les assassins, les forces démoniaques. Bref, ceux qui vivent en marge de la loi divine, qui est la loi naturelle, trouveront en cet ange la vérité et le chemin pour la comprendre et revenir à elle. Ahuya est source de vie et de santé, car il reflète la mère cosmique. Tous ses protégés possèdent le don de rendre la santé et la plénitude morale à ceux qui les ont perdus. Les textes traditionnels nous disent que cet ange gardien, les exilés, les fugitifs, les prisonniers, à éliminer leur situation difficile. En effet, l'exil extérieur, la prison, la fuite sont le résultat de situations intérieures. Et cet ange peut nous faire comprendre que tout est conséquence de nos actes. Et alors, la punition est inutile. Et elle disparaît. Prière à l'ange Haouya. Haouya. Tu es mon ange gardien, sois mon instructeur, mon guide, car sans toi, je risque de me perdre en chemin. Tu m'as fait de telle manière, ange, que je ne peux que m'engager dans mes rêves. Et même pour que mes rêves deviennent réalité, je pourrais attenter aux lois. Prends-moi sous ta surveillance et conduis-moi à des situations lumineuses, sans soubresaut. Pour que mes pensées soient claires et je puisse me comprendre et te comprendre. Car je veux être la pierre d'angle de ton œuvre, utile à moi-même, à mon prochain et à l'œuvre divine. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.